Bonjour à tous et rebonjour à tous ceux qui étaient présents hier. Donc aujourd'hui, une table ronde concrète aussi sur l'intelligence artificielle avec un titre « Qu'est-ce qui fonctionne ?» et on pourrait dire « Qu'est-ce qui fonctionne vraiment en intelligence artificielle autour du domaine de la santé ?» Beaucoup de promesses de l'intelligence artificielle pendant des années et maintenant de vraies applications avec des niveaux de preuve qui sont suffisants pour que certaines applications, certains outils soient déployés avec des bénéfices, on va les aborder dans divers domaines, autour notamment de l'oncologie, de la radiologie et bien sûr dans le domaine du développement accéléré de molécules thérapeutiques. Donc pour aborder ces sujets, nous allons échanger avec Emmanuelle Kuhnmönch, qui est directrice des affaires publiques chez Medtronic, le docteur, Pigné, qui est oncologue radiothérapeute et CEO de Pulse Life. Le docteur Boissel ne va pas être avec nous car il est grippé, mais bon, je transmettrai les informations. Il est CEO de Nova Discovery. Et le professeur Jean-Emmanuel Biebaud, qui est oncologue radiothérapeute et expert en intelligence artificielle. Alors, on va débuter avec Medtronic, cette petite start-up qui débute. Et est-ce que vous pourriez, Emmanuel, nous donner quelques domaines de solutions qui sont pour vous à des niveaux de preuve suffisants et déjà d'ailleurs déployés ou en tout cas utilisés par des professionnels? Avec plaisir. Vous m'entendez là ou pas? On peut m'entendre. Est-ce que le micro marche bien? C'est bon. Oui. Écoutez, je suis ravie d'être là. Je suis ravie de représenter effectivement Medtronic, qui est une grande entreprise dans le domaine des technologies de santé. Et puis, je suis contente aussi de porter la voix de mes collègues en France et à l'international qui travaillent justement à apporter la valeur de l'IA associée à nos technologies au système de santé. Donc, nous, on croit beaucoup dans le potentiel de l'IA associée à nos technologies. Et mon premier message, c'est que c'est déjà une réalité aujourd'hui. Alors, l'IA, j'ai l'impression qu'on en parle vraiment plus depuis qu'on a vu arriver ChatGPT. C'est devenu quelque chose de grand public, finalement, depuis un an. Mais nous, ça fait maintenant plusieurs années qu'on a des technologies qui associent des IA, justement, soit pour obtenir des résultats, des traitements qui sont plus personnalisés pour les patients, ou alors pour standardiser, sécuriser les soins pour les médecins, ou sécuriser, et puis aussi pour libérer la charge de travail des soignants. Et on sait que c'est un enjeu de notre système de santé en France. Alors, mon premier message, je vais vous développer quelques exemples, c'est que c'est une réalité, mais c'est aussi, ce qui est une réalité, c'est qu'il y a des défis. On a un cadre d'évaluation d'accès au marché qui a été construit sur des méthodes traditionnelles avant l'arrivée de l'IA. Et donc, l'enjeu en France aujourd'hui, c'est de revoir cette approche, d'adopter de nouvelles lunettes. On avait principalement les lunettes du médicament pour évaluer la valeur de nos produits. Encore plus avec le numérique et l'IA, il va falloir changer d'approche. Premier exemple que j'avais envie de partager avec vous, c'est dans le traitement du diabète de type 1. On a des boucles qu'on dit semi-fermées qui copient, reproduisent, on va dire, le fonctionnement du pancréas. Et l'idée, voilà, c'est de façon autonome permettre aux patients de penser à autre chose et de mesurer en continu la glycémie du patient et d'adapter le traitement en fonction des besoins en insuline du patient. Et donc, dans notre technologie, on a un algorithme qui est auto-apprenant et en fait qui, le soir, regarde les résultats des patients sur les 6 derniers jours et apprend en fait du patient pour ensuite lui donner des traitements qui sont plus personnalisés à ses besoins. Et en fait, le défi associé à ça, c'est que notre modèle d'évaluation, ben, il est plus figé. Donc, à un moment donné, il faut déposer un dossier d'évaluation. Ça prend du temps. Et la question, c'est comment on peut adopter une méthode, une approche plus agile, plus dynamique, d'évaluation aussi peut-être simplifiée. Donc, c'est quelque chose, c'est une voie de réflexion qu'il faut qu'on ait aujourd'hui en France. Le deuxième exemple, c'est l'exemple d'une IA qui est dans les mains, cette fois-ci, des soignants.
dans le dépistage, dans le diagnostic du cancer colorectal. Et ça tombe bien, c'est le mois mars bleu, le mois du dépistage du cancer colorectal. Donc là, on a une IA aussi depuis 2-3 ans qui existe en France et ailleurs, qui vise à aider le médecin dans les diagnostics de cancer colorectal, enfin dans le diagnostic, dans la coloscopie. Et donc cette IA, moi j'ai vu comment ça fonctionnait, c'est assez impressionnant. Elle assiste en temps direct le médecin quand il fait l'examen de coloscopie. Et donc sur son écran, le médecin, il voit des petits carrés verts comme ça. C'est l'assistant visuel, c'est l'IA qui lui montre ou des nodules qui sont potentiellement suspects et qui méritent son attention. Donc c'est comme une deuxième paire d'yeux. Ça ne remplace pas la décision médicale. Ça, je crois que c'est très important de souligner ce point-là. Mais c'est au fil des examens, l'attention peut baisser. Et là, il sait qu'il a une sécurité avec cette IA. C'est très important parce que vous savez que dans le cancer colorectal, ben, les adénomes en fait, mettent du temps à dégénérer. Et souvent, ceux qu'on voit les moins à l'écran, c'est potentiellement ceux qui sont le plus à risque, en fait. Donc, potentiellement, là, on a la capacité de détecter ça. Enfin, pas potentiellement, on a la capacité de détecter ça. Et donc, de traiter de façon la moins invasive possible avant même que le patient soit malade. Le souci, c'est que cette technologie n'est pas financée aujourd'hui en France. Alors, on parlait dans une précédente table ronde de problématiques de système de santé britannique. Ben là, il se trouve que nos voisins britanniques, ils ont adopté une approche différente. Ils ont mis en place un award, IA. Et notre entreprise est une des 9 entreprises sélectionnées à bénéficier d'un financement. Et en collaboration avec l'agence de santé britannique, on a mis en place... on a notre IA qui est... déployé dans une 20aine de centres et on va être en capacité de récolter des données de terrain pour voir comment ça améliore la performance et la performance du soignant. Puis le dernier exemple que j'avais envie de partager avec vous, c'est celui d'une IA qui permet de soulager le travail des soignants. Et donc là, c'est chez des patients qui ont fait un AVC, qu'on dit sans cause retrouvée, donc on ne sait pas pourquoi ils ont fait un AVC. Et donc, chez ces patients, on met un moniteur cardiaque implantable. Et aujourd'hui, ce moniteur cardiaque implantable, il est associé, on l'associe une IA, et puis on associe un module de télésurveillance. Et donc, en fait, c'est important parce que donc la télésurveillance, ça permet de suivre en continu effectivement les données du patient. Donc là, on suit le rythme cardiaque de ces patients pour voir s'il y a des anomalies. Et donc chaque matin, les infirmières, elles regardent les données et ça prend beaucoup de temps en fait parce qu'il y a beaucoup de faux positifs. Et donc l'IA, elle permet de mettre de côté les faux positifs pour se centrer sur les vraies alertes. Donc ça, c'est un vrai bénéfice organisationnel. Mais la réalité aussi, c'est que la façon dont on évalue cette technologie avec une IA, ça reste une approche classique. Je vous disais encore fondée sur les méthodes d'évaluation issues du modèle du médicament. On cherche d'abord, alors que l'impact organisationnel, il est évident, on cherche les autorités, même si elles le reconnaissent comme ça, elles veulent qu'on leur apporte des preuves d'impact clinique d'abord et qu'on fasse des études randomisées, contrôlées, qui ne sont pas forcément adaptées. Donc la question, c'est comment on peut créer de nouvelles approches. Alors ça bouge en ce moment, mais ce n'est pas encore probant, qui permettent vraiment de se centrer sur l'impact organisationnel. Très clair. Alors ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est qu'on est 3 radiothérapeutes oncologues ici. Et la radiothérapie, c'est sûrement une des spécialités où on utilise une technique qui n'a jamais été évaluée dans des études randomisées, qui est la radiothérapie stéréotaxique ou la radiothérapie par modulation d'intensité. Et pourtant, on l'utilise au quotidien parce qu'on a un mécanisme indirect pour évaluer sa supériorité par des mesures de dose sur des simulations. Et donc, en fait, on fait de la simulation d'efficacité qu'on pourrait tout à fait faire en termes de modèle d'évaluation sur ces domaines-là. Mais on voit des choses fonctionnent, mais on a l'adaptation pour la prise en charge n'est pas encore ad hoc. Alors, dès qu'il y a de l'intelligence artificielle, effectivement, c'est compliqué. C'est ce qu'on disait hier à la table ronde. Il y a vraiment nécessité d'accélérer les processus d'évaluation pour les prises en charge et d'harmoniser tout cela, parce qu'il n'y avait pas de raison que le Royaume-Uni prenne en charge et pas nous. Je vais aborder rapidement le sujet qu'aurait dû aborder François-Henri Boissel sur les jumeaux numériques.
Il y a encore un an, on m'aurait parlé de jumeaux numériques, j'aurais souri, parce que je ne croyais pas du tout à cette technologie qui vise à simuler un patient pour faire des études cliniques. D'ailleurs, on fait, là, pour valider justement l'efficacité de technologies ou de médicaments, on fait des études cliniques avec des vrais malades, et puis on fait du tirage au sort dans les études randomisées, et puis on regarde quel bras est le meilleur, le bras avec traitement ou sans traitement. Mais la complexité des études randomisées est telle qu'elles sont longues, coûteuses et assez aléatoires dans leurs résultats. Et des start-up et des grandes entreprises développent des jumeaux numériques, c'est-à-dire un panel d'informations et de data censé représenter un patient et sa maladie, de sorte qu'on peut modéliser ce patient et l'impact qu'aura un traitement sur un patient virtuel, sur un patient numérique. Alors pourquoi ça me faisait sourire auparavant ? Parce qu'on s'est tapé des années de biologie et de médecine pour finalement arriver à la conclusion qu'un patient c'est compliqué, que ce n'est pas trois équations qui vont suffire à savoir quelle est sa maladie et comment il va répondre à un traitement. Et bien en fait c'est faux. Nova Discovery a développé un jumeau numérique dans l'oncologie, le cancer du poumon, hein, pour évaluer l'efficacité de thérapie dans le cancer du poumon. Il y a un moyen de savoir si le jumeau y fonctionne, c'est de faire une simulation d'une étude clinique avec leurs jumeaux et puis de voir ce que l'étude clinique qui a réellement lieu va donner en termes de résultats, mais sans qu'évidemment les deux communiquent sur les résultats. Et donc, sur deux études cliniques randomisées d'immunothérapie dans le cancer du poumon, ils ont fait une simulation du résultat à partir de données sans aucun malade inclus. Ils ont publié 2 jours avant la sortie des résultats d'une vraie étude clinique de laboratoire publiée dans le New England, et les résultats étaient à 2 mois près de survie sans progression similaire. Donc là, ça, comme on dit, ça calme le jeu. Il y a vraiment la possibilité, sur des pathologies particulières, relativement facile à modéliser, de faire gagner des mois et des mois de durée d'études cliniques et surtout de diminuer ce fameux bras contrôle dans les études randomisées qui est le bras où vous n'avez pas le traitement expérimental, qui est un petit peu frustrant. Quand vous êtes tiré au sort pour une étude clinique et que vous tombez sur le bras contrôle où il n'y a pas le nouveau traitement, bah les patients, ils n'aiment pas trop parce qu'ils auraient aimé avoir le nouveau, même si on ne sait pas à l'avance si le nouveau fait mieux que l'ancien. Bien, ce type d'approche va permettre de réduire fortement le nombre de patients à mettre dans un bras contrôle et donc d'accélérer de plusieurs mois, voire plusieurs années, le développement clinique de certaines molécules. Et l'autre paramètre, c'est que ce type de jumeau numérique peut tout à fait être utilisé par les autorités de régulation, par exemple la Haute Autorité de Santé qui donne l'autorisation de mise sur le marché à partir d'études cliniques randomisées, puisqu'elle pourra aussi faire sa propre simulation d'une étude clinique et vérifier que l'étude réelle qui a été faite par le laboratoire corresponde à la simulation. Et s'il y a un écart trop important, souvent en faveur de la molécule et de l'étude du laboratoire, elle pourra dire, ah, c'est bizarre, le jumeau dit quelque chose qui n'est pas tout à fait ça. Est-ce qu'on peut revoir les données de façon plus approfondie ? Donc il y a une nouvelle technologie, un nouveau domaine de l'intelligence artificielle autour de l'accélération du développement de molécules qui est vraiment prometteur et vous verrez certainement apparaître de plus en plus ce type d'approche pour développer des molécules et probablement des dispositifs médicaux. Je vais passer la parole à Grégoire qui va nous parler de ce qu'il fait avec Pulse Life et puis nous reviendrons ensuite sur ce sujet. Merci. Merci Fabrice et merci pour l'invitation. Je suis là aujourd'hui pour vous témoigner en fait, de comment l'intelligence artificielle est utilisée pour aider les soignants, les médecins, dans leur prise de décision médicale. Alors, avant de rentrer dans les cas concrets d'usage, je voudrais juste reposer le contexte que vous connaissez déjà tous sûrement. Il y a d'abord une hyper-croissance des connaissances médicales et tous les médecins, que nous sommes, là on est 3 autour de la table, se rendent compte au quotidien que la connaissance, ils ne sont plus capables de tout maîtriser. Moi, quand j'ai commencé mon internat de médecine, en même temps que professeur Bibeau, premier réflexe, j'ai demandé à mes patrons quel bouquin je devais apprendre pour apprendre ma spécialité, l'oncologie et radiothérapie. Ils m'ont répondu, n'achète pas de bouquin, n'en apprends pas. Ça faisait drôle hein, quand on a appris des auteurs de bouquins comme ça pour l'internat. N'apprends pas de bouquin, ce sera faux à la fin de ton internat. C'est 5 ans. Si vous regardez la pratique quotidienne des médecins autour de vous, en moyenne, un médecin, aujourd'hui, bosse 60 heures par semaine. Donc, vous imaginez, 60 heures pour voir des patients. Donc, vous imaginez, s'il doit passer 60 heures par semaine pour voir les patients, il reste combien de temps ensuite pour faire sa veille scientifique, actualiser ses connaissances, et combien de temps pour le reste de sa vie
loisirs, famille, enfin la médecine, c'est pas un sacerdoce. Donc on voit bien en fait qu'il y a un énorme problème dans notre système de santé, hein, c'est en France mais c'est aussi partout dans le monde, et il y a un enjeu crucial pour ce siècle, c'est comment on libère du temps médical. Mais libérer du temps médical, quand vous allez voir votre médecin généraliste, c'est 10 minutes, un motif de consultation. Et techniquement, il ne peut pas faire plus. Donc vous allez libérer du temps médical, bah, très bien, donc ça sera peut-être 15 minutes, un motif de consultation. On est de plus en plus nombreux sur la planète, on est de plus en plus vieux, polypathologiques, avec des prises en charge complexes. Donc on a absolument besoin de plus de temps médical. Donc ça ne résoudra pas le problème d'actualisation des connaissances médicales. Et c'est là qu'en fait, on doit passer en fait, du médecin érudit, le médecin à l'image d'Épinal qu'on avait tous, du médecin historique, du médecin qui savait tout, au médecin augmenté. Et pour arriver au médecin augmenté, il faut de l'intelligence artificielle pour augmenter le médecin, lui donner accès à toute cette connaissance. Et cette intelligence artificielle, elle se base toujours sur une chose, des données. Et c'est là que l'aventure Pulse Life commence, il y a une dizaine d'années, où on a construit une base de connaissances dans laquelle on retrouve toutes les données utiles pour la prise de décision pendant une consultation devant un patient. Donc on a constitué en 10 ans une base de connaissances qui regroupe, qui traite toutes les pathologies qu'un médecin apprend pendant ses études médicales. Donc il y en a un paquet et il y a des millions de contenus. Et dedans, on a on développe des algorithmes d'aide à la décision en partenariat avec un certain nombre de sociétés savantes, d'institutions. Aujourd'hui, en Europe, on a plus de 200 partenaires et on a plus de 700 000 soignants qui utilisent nos solutions. Et en fait, ces données... sans données, on se dit on n'a pas d'intelligence artificielle, sans intelligence artificielle on n'a pas de médecin augmenté. J'aime bien faire l'analogie avec la petite phrase de Astérix et Obélix, mission Cléopâtre: pas de pierre, pas de construction, pas de construction, pas de palais, pas de palais, pas de palais. Voilà. Donc si on veut faire un médecin augmenté, il faut absolument avoir les données et c'est la base. Maintenant, comment à partir de ces données on rend exploitables ces données par le médecin pour qu'ils soient augmentés? Et là, j'ai deux cas d'usage à vous partager. Il y a un premier cas d'usage, c'est le moteur de recherche médicale, et le second, c'est l'intelligence artificielle générative sous forme d'assistant médical virtuel. Alors le moteur de recherche médicale, tout le monde va dire ah. Moteur de recherche, mais en fait, on interagit avec une machine, mais pas avec une IA. C'est clairement pas une interaction directe. Vous avez tout à fait raison. Il n'y a pas de moteur de recherche où on interagit directement avec l'IA. Par contre, pour construire en fait un moteur de recherche, il faut maîtriser les données, comprendre la donnée, qu'est-ce qu'il y a dedans, et ensuite il faut comprendre les questions que le médecin pose. En oncologie, dans notre domaine, quand un chirurgien cherche la classification du cancer du sein, la patiente n'est pas opérée. Il ne va pas chercher la même chose que quand le radiothérapeute, lui, va chercher la classification du cancer du sein qui a été opéré. Voilà. Donc, il y a des notions de contexte qui changent la donne. Et en fait, toutes ces données, pour les maîtriser, il y a des traitements d'intelligence artificielle qu'on utilise. Je prends un exemple hyper concret d'un truc hyper simple. Vous savez que la connaissance médicale est multilingue. Eh bien, il faut quand même déjà avoir une manière de s'assurer de quelle est la langue du document. Et ben, il y a des outils de NLP qui permettent d'identifier de manière très précise quelle est la langue des documents. Voilà. Et en fait, pour faire un moteur de recherche, on utilise un certain nombre de technologies d'IA. Hein, j'aime bien dire que l'IA, c'est un outil, donc comme un marteau pour planter un clou. Si vous prenez le même outil pour mettre une vis, ça ne marche pas. Et ben, sur les données, c'est pareil. Et dans le moteur de recherche, on utilise un certain nombre d'IA qui permettent aux médecins, dans leur pratique quotidienne, de se poser une question et de rechercher par mots-clés et trouver les données qui vont lui permettre de prendre la bonne décision. Alors, c'est top parce qu'on couvre beaucoup de cas d'usage. Mais sur notre communauté, en échangeant avec eux, ben, on a identifié que le moteur de recherche ne répond pas à tous les cas d'usage. Il y a un cas d'usage en particulier, quand vous demandez mon patient qui a un cancer de prostate, on va rester en cancérologie, hein, c'est la domination aujourd'hui, qui a un cancer de prostate, est-ce que je dois lui faire une scintigraphie osseuse? Eh bien, en fonction du critère de sa maladie, oui ou non. Et eh bien, aujourd'hui, dans un moteur de recherche, ça ne va pas vous apporter la réponse précise. Par contre, avec les assistants médicaux virtuels, donc avec l'assistant médical virtuel de Pulse Life, vous allez lui poser la question, il va vous dire qu'il faut faire une scintigraphie osseuse s'il a un ISUP supérieur à 3, un risque intermédiaire. Voilà, boum, hyper précis, hyper puissant, impossible à faire avec un moteur de recherche classique. Et en fait, là, on va utiliser des technologies d'intelligence artificielle qui sont complètement différentes.
Donc là, vous avez tous entendu parler de ChatGPT, qui est basé sur un LLM, un Large Language Model. Donc il y a ce qui s'appelle GPT, il y en a d'autres, hein, Google a le sien, il y en a des open source, donc il y en a un certain nombre qui a été développé. On a Mistral AI qui s'est développé, qui est une boîte dont vous avez dû entendre parler, qui est là pour développer des LLM. Et en fait, on utilise ces LLM pour apporter ces réponses aux médecins. Mais c'est non sans difficulté. Parce que ces LLM, il faut savoir, c'est des outils d'intelligence artificielle qui font plusieurs choses. Je faisais la comparaison avec le moteur de recherche tout à l'heure. Le moteur de recherche, on utilise, on va dire, des outils très précis qu'on additionne pour réussir à bien maîtriser la connaissance. Là, vous avez des technologies d'intelligence artificielle, en fait, qui vont faire plusieurs tâches en même temps. Elles sont capables d'identifier la langue, de faire de la traduction, de faire de la synthèse. Donc, c'est très puissant et ça permet de couvrir d'autres cas d'usage. Par contre, ça a une limite extrêmement forte, en particulier en médecine, c'est qu'il y a un risque d'hallucination. Alors vous en avez sûrement déjà tous entendu parler. Les hallucinations, c'est que vous posez une question à l'intelligence artificielle et elle va vous répondre un truc qui est hyper crédible. Mais c'est complètement faux, c'est complètement inventé. Alors, en médecine, si on utilise des outils comme ça, c'est beaucoup trop dangereux. On ne peut pas l'amener sur le marché. Et quand on a commencé, nous, à travailler sur l'assistant médical virtuel chez PulseLife, au départ, on ne pensait pas en fait, qu'on arriverait à porter cette solution sur le marché à cause de ça. Et c'est le jour où on a réussi à voir qu'en fait, on arrivait à les éliminer. Et finalement, comment on a réussi à le voir? C'est que le jour où on a réussi à les interroger, je n'ai pas l'information dans les documents qu'on fournit. Et nous, vous savez, on a une grosse base de contenu, je vous le disais, qu'on maîtrise. Et donc, on est en mesure de s'assurer que les réponses, elles sont formulées à partir de nos contenus. Et grâce en fait, à ces outils-là, c'est là qu'on a compris que l'intelligence artificielle générative, à l'ère de la décision médicale, en fait, ça change complètement le paradigme et on va pouvoir rentrer beaucoup, beaucoup plus loin dans l'assistance des médecins et du coup créer ce médecin augmenté dont on a besoin. Merci, merci beaucoup. Qui a déjà eu affaire à une hallucination sur une recherche, une requête ChatGPT? Ah, pas mal hein, quand même hein. 10-15%. En fait, vous en avez peut-être eu des hallucinations sans vous en rendre compte. Parce que c'est tellement crédible. Pour vous donner un exemple, la dernière que j'ai eue, c'était il y a quelques jours. Je faisais. La question était peux-tu me sortir les 10 dernières études randomisées en télésurveillance en médecine? Donc, bon. Donc, j'ai eu 10 études qui sont sorties. Sur les 10, il y en avait la moitié qui n'existait pas. Mais pourtant, il y avait un nom d'auteur, il y avait un nom de revue, il y avait l'année, il y avait la page de la revue qui n'existe pas. Et alors, quand vous posez la question « Es-tu sûr de tes références ?»« Ah non, je me suis trompé. » Donc, faites super attention dans le domaine médical et même dans le domaine littéraire ou du droit, hein, pour des jurisprudences, etc. Il y a eu quelques soucis aux États-Unis de textes de loi, de jurisprudence qui ont été cités, qui n'existaient pas. Et bon, forcément, si on ne la vérifie pas et que quelqu'un vérifie derrière, ça pose souci. Jean-Emmanuel, est-ce que tu peux nous dire en quoi les LLM vont nous accompagner en tant que médecin ou patient dans notre prise en charge ou dans l'information qu'on peut transmettre? Donc, je ne sais pas si on entend bien. Ouais. En fait, les outils dont on parlait d'IA jusqu'à aujourd'hui étaient surtout des outils qui étaient adressés aux médecins et aux professionnels de santé de façon globale, à peu près jusqu'à la sortie et à la démocratisation de GPT-4. Et c'est vrai que maintenant, avec les LLM, pas seulement GPT-4, mais entre autres, on va avoir des outils qui vont plutôt être adressés aux patients en direct. Les Américains appellent ça le patient-facing AI. Donc là, l'idée, c'est que, en fait, l'idée sous-jacente, c'est que, en fait, les patients vont se passer des médecins pour avoir accès à du contenu médical, voire à des recommandations, voire à de l'automédication. Et ça, je vous garantis que dans les années qui viennent, voire dans les mois qui viennent, il va y avoir des entreprises, à mon avis, en premier américaines et chinoises, qui vont mettre à disposition des modèles de ce type-là sur Internet pour faire de l'automédication. Pourquoi je suis convaincu de ça? Surtout aux États-Unis, par exemple.
c'est le fait qu'il y a un gros problème sur le financement de la santé aux États-Unis. Si vous allez aux urgences aux États-Unis, je ne sais pas si c'est déjà arrivé malheureusement, mais vous posez un pied dans les urgences, vous payez au moins 1 000 $. Et la première chose qu'ils vous demandent, c'est votre carte de crédit. Et ce n'est pas une caricature, c'est la stricte réalité, puisque moi, ça m'est arrivé. Et en fait, c'est la raison pour laquelle les Américains, entre autres, sont mal soignés, ont une espérance de vie qui baisse, et entre autres, ne vont pas aux urgences. Donc si une entreprise met à disposition un modèle qui fonctionne bien et qui fait de la médecine, entre guillemets, à domicile, de bonne qualité, alors sur des choses, sur de la bobologie, hein, comme on dit, c'est-à-dire pas évidemment des choses graves, mais sur des choses classiques, qui correspondent à 80% de ce que fait en fait, ce que font les urgences en réalité, eh bien, si l'Américain moyen peut payer 5 ou 10 dollars plutôt que d'aller payer 1 000 dollars parce qu'il a de la fièvre et qu'il a une gastro aux urgences, eh bien, il va plutôt faire les 10 dollars. Et ça, c'est un marché énorme, c'est une captation de valeur médicale qui va être absolument gigantesque. Et à mon avis, on n'est pas préparé à ça. Et notamment, les régulateurs ne sont pas préparés à ça parce que les régulateurs, là, tiennent la régulation de l'IA ou réfléchissent à la régulation de l'IA parce qu'ils ont le contrôle sur les professionnels de santé. Mais par contre, ils n'auront pas le contrôle sur les patients qui auront accès à ces données-là et à ces modèles-là, pardon, de façon directe. Et donc, ça va être extrêmement difficile à réguler. Et d'ailleurs, ça sera, je pense, pas possible. Et on va réassister un peu à ce qui s'était passé à l'époque avec les données personnelles, Facebook, etc. C'est-à-dire qu'il va y avoir un usage qui va s'imposer par le bas et qui va s'imposer à la régulation. Et donc, pour la médecine, de façon globale, ça pose pas mal de questions. D'outils qui vont squeezer entre guillemets le médecin. Et c'est pas de la science-fiction, vous allez voir, on peut reprendre rendez-vous dans un an ou deux, je suis certain que ça va arriver. D'abord aux États-Unis et puis probablement aussi en Europe plus tard. Et donc tous ces outils-là, il y a un enjeu majeur qui est, enfin il y a plusieurs enjeux, mais il y a un enjeu médical majeur, c'est-à-dire qu'il faut que ces outils-là soient bons et validés. Et on sait que c'est très très difficile de valider ce genre d'outils-là. Si vous vous intéressez au sujet, il y a de plus en plus d'études qui s'intéressent à ce qu'on appelle le benchmarking médical de CLLM. Il y en a une qui est sortie il n'y a pas plus tard que, enfin, il y a une semaine dans Nature Medicine. Donc, Nature Medicine, c'est un énorme journal médical. Donc, pour qu'il y ait quelque chose qui sorte là-dedans, c'est qu'il y a beaucoup d'intérêt pour ça. Et donc, ce n'est pas du tout une vue de l'esprit. Et donc, ça, c'est l'enjeu médical, mais il y a un enjeu économique majeur qui va arriver aussi, et à mon avis, auquel l'Europe est mal préparée. C'est le fait que l'Europe est en train de réguler très fortement les dispositifs, on va dire, médicaux liés à l'IA, enfin l'IA en général, en fonction d'une grille de risque, et que donc la médecine va être très très régulée, c'est l'AI Act dont on s'est félicité assez récemment, sauf que cet AI Act ne va pas pénaliser les outils développés aux États-Unis ou en Chine, qui vont être utilisés par les patients en ligne, hein, y a pas de problème, parce que vous n'allez pas pouvoir les empêcher. Et ça va en fait faire une captation de valeur. Déjà, il y a ChatGPT, enfin OpenAI qui capte une énorme valeur déjà actuellement. Là, sur le médical, il va y avoir une captation de valeur énorme par des acteurs américains ou chinois. On est plutôt américains. Et on va revivre ce qu'on a vécu une fois plus avec Google et avec l'informatique et Internet en général. Il n'y a pas un seul acteur européen crédible face à Google, par exemple. Il n'y a pas un seul fabricant d'ordinateurs ou de téléphone portable européen crédible, on va revivre exactement ça, et dans 5 ans, on va se demander, mais qu'est-ce qu'on a fait? Pourquoi, alors qu'on avait les bons ingénieurs, qu'on avait les données, qu'on avait tout ce qu'il fallait, pourquoi est-ce qu'on a encore loupé ce tournant-là? On sait déjà pourquoi on va le louper. Hein. C'est qu'il y a une régulation, malgré ce que disent les gens qui font la régulation, disent la régulation en Europe va nous tuer. Voilà. C'est clair et net, le RGPD a déjà tué beaucoup de choses, elle va tuer l'IA médicale, entre autres, en France, et je prends le rendez-vous, on pourra en reparler dans un an ou deux, j'en suis absolument convaincu. Là, ça sera un élément objectif, effectivement. Et dans les outils actuellement en voie de recherche, est-ce que tu vois des domaines pour lesquels on va avoir des éléments d'usage incontournables ou très, très puissants qui vont changer nos pratiques? Alors c'est, sur l'IA en général, en fait, ce à quoi il faut être assez vigilant, c'est qu'il faut être capable de faire la part des choses entre la hype, entre guillemets, j'oserais dire le bullshit, et ce qui existe vraiment. Parce qu'effectivement, c'est une discipline où on a l'impression que c'est une part de magie, et on en parle tellement souvent dans les médias qu'on ne sait plus faire la part des choses. Il y a déjà des outils très très bien, mais très très simples. Et je pense notamment à une start-up française qui s'appelle Nabla,
qui est assez connu, qui commence à être pas mal connu, qui fait notamment ce qu'on appelle une IA ambiante. C'est-à-dire que vous mettez sur votre téléphone, le téléphone au milieu de la consultation, le téléphone écoute la conversation et vous génère un compte-rendu médical structuré d'assez bonne qualité. Ça a été publié aussi assez récemment. Et donc ça, c'est quelque chose de simple qui marche. C'est pas du fantasme. Et c'est répond à un vrai besoin médical. C'est-à-dire que si vous proposez ça à des médecins, ils vont dire « Ok, j'en veux tout de suite ». Le problème, c'est que pour l'instant, Nabla, ils ont... on va dire commercialiser, utiliser à grande échelle leurs solutions aux États-Unis, dans un réseau de cliniques qui est en Californie du Nord, qui s'appelle Kaiser Permanente, et c'est avec eux qu'ils viennent de publier leur première évaluation, pas en France. Donc ça aussi, symptomatique aussi de ce que je viens de dire. Ce genre d'exemple-là, ça va se multiplier dans les années qui viennent. Et donc je pense qu'il faut qu'on réfléchisse. Alors, je ne veux pas que ce soit mal interprété, je ne veux pas qu'on pense que je pense qu'il faut tout déréguler et qu'il faut qu'on fasse n'importe quoi. Il faut évidemment protéger et valider les IA pour le bénéfice des patients, mais il ne faut pas non plus que ce soit tellement strict que ça devienne mission impossible totale. Et pour l'instant, on se dirige tout droit dans cette direction-là, et c'est un peu dommage, parce qu'il y a le problème économique, mais il y a le problème de santé pure, hein. Il y a le problème de santé des patients, mais aussi de santé des soignants. On sait que les soignants ont beaucoup de problèmes de qualité de vie et de qualité au travail, ça on en parle sans cesse, surtout en France et en Europe, surtout en France, et on sait que l'IA pourrait être utilisée pour améliorer ça, entre autres. Donc il y a plein d'enjeux, c'est assez complexe et c'est loin d'être trivial. Et il faut réfléchir à comment on fait pour adresser tout ça. Très clair. Tu voulais ajouter quelque chose, Grégoire ? Oui, je voudrais rebondir sur les difficultés en fait, pour amener sur le marché des solutions d'IA dans notre pays et même en Europe. En fait, donc la réglementation, c'est clair, mais c'est connu depuis des lustres, et en fait, on reproduit les mêmes erreurs. Et il y a un deuxième élément en fait, qui est assez important, c'est l'orientation des financements. Fabrice, tu as fait une étude dans l'écosystème santé sur l'orientation des financements. Et aujourd'hui, en fait, les entreprises, elles n'ont pas besoin de subventions, elles ont besoin de chiffre d'affaires. Et le chiffre d'affaires, c'est les soignants libéraux, les établissements qui soient capables de payer les innovations et de les payer en prenant un certain risque. Tu parlais de Nabla à l'instant. Nabla, les Américains, ils n'étaient pas sûrs que ça allait changer la donne. Sur le principe, c'était bien. Ils ont été prêts à faire l'expérimentation parce qu'ils avaient les moyens de prendre le risque de le perdre. Quand on a les 32 CHU français qui ont perdu l'année dernière 1 milliard, ils n'ont aucune capacité d'innovation, alors que c'est les plus grosses entreprises de toutes les villes françaises. Donc on a un vrai problème aussi d'orientation économique qui s'associe avec le problème de réglementation légèrement excessive. Très clair. Merci beaucoup pour ces témoignages. Est-ce que vous pouvez, Emmanuel, nous donner quelques pistes de R&D actuellement chez Medtronic dans le domaine de l'IA ? Alors, sur ce sujet, j'ai des pistes au niveau mondial, parce qu'on est une entreprise internationale, mais aussi ça se passe en France. Et le maître mot, c'est celui de la collaboration. On a mis en place un centre d'excellence en intelligence artificielle. L'objectif, c'est de catalyser les énergies en interne, de voir ce qu'on a fait de bien dans un domaine, les exemples que je vous ai donnés, voir comment ça peut être translaté dans d'autres domaines thérapeutiques. On a également noué des partenariats, mais j'en ai un en tête, c'est celui avec une société dont le nom ne dit peut-être pas quelque chose, mais c'est une des plus grandes sociétés dans ces technologies d'IA, c'est NVIDIA. Et donc voilà, l'idée c'est d'augmenter la puissance de l'IA associée à nos technologies. On a mis en place une plateforme d'open innovation, d'accès où les chercheurs qui ont des bonnes idées, mais pas forcément les moyens, peuvent les déposer sur notre plateforme et voir ensuite si on a la capacité d'apporter des ressources, des compétences pour ensemble développer ces projets. Et puis, en France, on a un centre de recherche et développement à Trévoux, donc dans le bassin lyonnais. On a également une usine là-bas. C'est un centre qui conçoit et développe des implants destinés à renforcer les tissus mous. Et donc, on développe un certain nombre. Ce centre-là travaille avec des centres hospitaliers dans le monde entier et également en France
pour justement, grâce à l'IA, grâce à l'exploitation des données, obtenir des meilleurs résultats patients. Et puis on a annoncé un partenariat avec le groupe La Poste Santé Autonomie, justement sur comment on va exploiter ensemble le potentiel des données grâce à l'IA pour renforcer les parcours patients. Très, très clair. Merci beaucoup. On va passer à la séance de questions et réponses. Est-ce que vous avez des questions à nos panélistes? N'hésitez pas. Panel de très haute voltige. Ah, vous avez été très clair là-bas. Alors, bonjour à tous. Mon nom c'est Monica Tornici, je travaille dans la recherche clinique, mais aussi je m'intéresse de près au management de la santé, enfin de l'intelligence artificielle dans la santé. J'avais entendu le professeur Jean-Emmanuel Bibeau s'inquiéter un peu de ce qui se passe aux États-Unis par rapport à la ChatGPT et le patient. Mais je me demandais en quelque sorte à quel niveau c'est vraiment vrai, parce que la médecine d'aujourd'hui, ce n'est pas que le diagnostic. La médecine, c'est aussi le traitement, c'est aussi la relation médecin-patient. Et peut-être qu'aux États-Unis, quand on n'a pas les moyens, ça peut marcher vite. Mais en France, au moins, on sait que ça passe quand même. Ce qui guérit, ce n'est pas forcément le médicament. C'est vraiment la relation médecin-patient. Et donc, est-ce que ça joue vraiment, est-ce qu'il faut vraiment s'inquiéter ou pas? Je ne m'inquiète pas forcément pour la médecine en global. Hein. D'ailleurs, c'est pas vraiment, je partageais pas vraiment une inquiétude, j'expliquais juste quelque chose. Mais en fait, ce qui est certain, c'est que effectivement, la médecine, ce n'est pas une pure démarche diagnostique. Et pour l'instant, les publications qui ont été réalisées sur cette thématique-là se concentrent quasi exclusivement sur la démarche diagnostique, effectivement. Mais c'est un premier pas, en fait. Et je pense que les choses vont s'accélérer dans les mois qui viennent. Par exemple, sur les premières recommandations automatisées de traitement adapté. C'est sûr, c'est la prochaine étape logique. Donc je pense que ça va évoluer dans ce sens-là. Mais c'est une fois de plus très difficile d'évaluer les performances, les métriques, les critères de qualité qui sont rapportés dans les publications ne sont pas forcément les bons. Les publications ne sont pas forcément toutes évaluées par les pairs. Hein. Par exemple, Google fait une publication, la met en préprint, mais personne n'a évalué la méthode qui a été utilisée. Donc il va falloir, et ce qui me permet de dire d'ailleurs, il va falloir former aussi les médecins et les paramédicaux à savoir ce que c'est qu'un bon algorithme, comment est-ce qu'il a été créé, comprendre comment il a été créé. Et d'ailleurs, vous savez qu'il y a un lag énorme entre le moment où on forme des gens et le moment où ils deviennent médecins, 10 ans à peu près. Ça veut dire que tous les médecins qui sont formés actuellement, là, qui passent la première année, cette année, sortiront dans 10 ans. Si on ne commence pas à les former à l'IA dès maintenant, ils vont sortir dans 10 ans entourés d'un monde, dans un monde où tous les outils presque seront faits à partir d'IA. Ils ne vont rien y comprendre. Et à mon avis, ça va être un peu dangereux. Donc il faut vraiment qu'il y ait une réflexion au niveau de la formation initiale et continue sur les médecins et les paramédicaux et l'utilisation de l'IA. Ça tombe bien, c'est exactement ce que l'Institut de e-santé propose. C'est d'un accès à des formations et à l'acculturation, et le sujet est réel puisque les choses existent déjà et certains patients viennent déjà avec des outils que les médecins ne connaissent pas. Il y a un sujet sur les désertifications médicales. Pour information, un département comme la Sarthe, 25% des habitants n'ont pas de médecin traitant. Je peux vous garantir que dès que les outils d'aide au diagnostic par LLM vont sortir, ils vont être utilisés et les gens paieront pour cela. Autre question. Ah, voilà. Alors, des questions courtes, s'il vous plaît. Oui, pardon, Frédéric Collet. Ce que vous dites sur le fait que les patients vont aller eux-mêmes vers ChatGPT, Gemini ou d'autres est une réalité. Quand on voit la vitesse à laquelle ces outils ont été adoptés, qui dépassent largement tous les Insta, Facebook, etc. Et je trouve ça un peu vertigineux, parce que je suis sûr que malheureusement, je suis certain que vous avez raison. Et du coup, qu'est-ce que nous avons appris dans, notamment, vous avez évoqué le RGPD, mais il y a d'autres systèmes de régulation qui ont été mis en place récemment. Et comment est-ce qu'on peut aider le régulateur, justement, à prendre à bras-le-corps ce sujet-là? Ce n'est pas de la mauvaise volonté, c'est juste que c'est diabolique d'aborder ça comme régulateur. Là, ce qui est compliqué quand même, c'est que clairement, je ne mets pas en doute la bonne foi du régulateur. Personne ne fait ça, évidemment. Je crois que c'est
extrêmement compliqué, effectivement, d'adresser ce problème-là. Ce qui est clair, c'est que les garanties et les certifications qui vont être demandées, par exemple, dans l'AI Act, ne seront pas du tout un obstacle pour des mastodontes comme Google ou Facebook qui ont 200 ou 300 personnes qui vont travailler sur la rédaction des documents de certification nécessaires. Et puis, il y aura zéro problème. Par contre, pour les startups ou les celles qui innovent, qui n'ont pas ces départements-là, bah, elles vont y disparaître, littéralement. Et donc, ça veut dire qu'il y a peut-être une adaptation des certifications ou des mécanismes de régulation à faire au degré d'innovation et à la taille de l'entreprise potentielle, voire à sa nationalité, mais ça pourrait être vu comme du protectionnisme, mais bon, bref, sur cette thématique-là. Donc taille de l'entreprise, degré de l'innovation, risque, et puis pays d'origine, entre guillemets. Ce qui est sûr, c'est que si Facebook, vous lui demandez des régulations les mêmes que la petite entreprise qui a 20 ou même 60 employés, ça n'a pas de sens. C'est une évidence. Et peut-être qu'un autre élément qui pourrait être intéressant, c'est comment on permet l'expérimentation rapide. Et le terme rapide, en fait, est extrêmement important parce qu'il y a énormément d'entreprises aujourd'hui qui sont représentées à Made in Tech. Comment ces entreprises-là peuvent très rapidement amener sur leur marché leur technologie sans toutes ces régulations? Parce que certes, elles n'auront pas la force d'un Google ou d'un Facebook, mais elles auront peut-être la force de montrer la preuve de leurs outils assez rapidement sur un petit environnement et ensuite un accompagnement pour qu'elles puissent grandir et s'épanouir. Mais si elles sont mortes dans l'œuf... Bah... Ouais. Très clair. Question par ici. Est-ce qu'on a des micros? Question courte, s'il vous plaît. Oui, bonjour. En deux mots, est-ce que vous pensez que les symptom checkers vont être meilleurs qu'un médecin spécialiste? À quel horizon? Moi, je sors d'un épisode avec mon fils qui a 16 ans, qui avait une claudication d'effort. On a mis 6 mois, alors que je suis dans la médecine, à trouver le diagnostic qui était un syndrome de l'artère poplitée piégée. Et quand est-ce que la technologie pourra avoir le diagnostic plus meilleur que le meilleur? On a déjà la réponse. Depuis cet été, il y a une équipe d'Harvard qui en fait fait du benchmarking de symptom checker annuel. Et donc cet été, ils ont fait GPT-4. Donc le benchmarking, en gros, l'idée, c'est que vous donnez quelques symptômes, pour une trentaine de maladies différentes, et vous dites à la machine, alors quel est le diagnostic le plus fréquent pour 30 de ces tableaux cliniques, ok? Et donc, ils ont montré que GPT-4, qui n'est donc pas un modèle spécialisé médical en plus, avait des taux de réponse correcte de 87%. Et là où ça se corse un petit peu pour les médecins humains, c'est qu'ils ont posé les mêmes questions aux médecins humains, et les médecins humains avaient 65% de bonnes réponses. Donc déjà moins bien que GPT-4. Et ça me permet aussi d'évoquer une anecdote. Pour l'instant, c'est une anecdote, mais je pense aussi que ça va se généraliser, notamment d'une famille aux États-Unis, ça rejoint un peu ce que vous avez décrit, qui était en errance diagnostique parce que leur enfant avait une maladie rare que personne n'arrivait à étiqueter. Ils ont mis sur ChatGPT les caractéristiques principales détaillées et il a trouvé le bon diagnostic et qui a été vérifié par la suite par le médecin. Et donc ça montre aussi quelque chose, c'est que évidemment, et c'est ce que tu disais, les médecins ne peuvent pas tout connaître, c'est impossible. C'est de plus en plus compliqué en plus. Et par contre, un LLM, lui, il n'a pas vraiment de limite, on va dire, à son savoir. Alors, je ne dis pas que c'est parfait. Une fois de plus, je ne suis pas un fou de l'IA, mais ça peut être des pistes pour vraiment améliorer les choses. Et il est même assez probable qu'à terme, ces modèles créent des syndromes, c'est-à-dire des pathologies qui ne sont pas étiquetées. Et vous en trouvez une, elle n'est pas étiquetée, donc la voici, le syndrome truc-muche, c'est tout à fait probable. Ouais. Et qu'on comprenne des nouveaux mécanismes de physiopathologie par ça. Absolument, et qu'on aille chercher la cause, absolument. Et c'est quand même une opportunité unique de mettre ces outils-là dans les mains des médecins. Bien sûr. Parce que c'est justement la limite qu'eux ont, c'est qu'ils ne peuvent pas tout connaître. Mais par contre, avec des outils comme ça qui leur permettent d'avoir une vue globale assez rapide, ils seront probablement bien plus performants pour prendre en charge le patient. Une dernière question. Le monsieur avec la chemise blanche, là. Et voilà. Bonjour, merci pour ces prises de parole. Moi, j'ai une question. Là, on a beaucoup parlé de LLM et d'outils qui sont directement de diagnostic ou liés pour le médecin. Mais pour la recherche et l'optimisation des molécules ou l'optimisation des doses, quid, qu'est-ce qu'on en fait de l'IA?
des LLM ou de l'IA en général? De l'IA en général. Ouais, bah, oui, il y, bah, y a énormément de travaux là-dessus. Je voulais un peu en parler, mais sur l'IA en général, en fait, je pense qu'il y a un aspect qu'on a un peu tendance à oublier, c'est qu'il faut vraiment distinguer les outils d'IA qui font ce que les humains savent faire, et donc bah, typiquement des tâches d'interprétation d'images, donc ça peut être de scan, IRM, mammographie, etc. Et puis aussi d'interprétation d'anatomopathologie, c'est-à-dire des petites lames de biopsie quand on a une suspicion de cancer, par exemple. Donc tout ça, ces outils-là, effectivement, vont avoir un rôle majeur en médecine. Et l'autre aspect de l'IA qui est un peu différent et qui est beaucoup plus compliqué, c'est tout ce qui est personnalisation bah, des soins et des doses de façon globale et qui repose sur des tâches dites de prédiction. Et vous pouvez demander aux meilleurs experts, par exemple du cancer de la prostate, de vous prédire la survie d'un patient à 15 ans. Il ne vous donnera pas un chiffre très précis ni très argumenté. Et c'est là où l'IA, je pense, va connaître une explosion. On est encore un peu trop tôt là. On en parle beaucoup, mais on est trop tôt sur la vraie application. Mais dans les, je pense, 10-15 ans, peut-être allez, 5 ans dans le meilleur des cas, on va avoir des outils de prédiction très très précis, interprétables, qu'on va comprendre. Et qu'on va utiliser pour personnaliser les soins, donc par exemple la dose, etc., etc. Et puis après, il y a une dernière chose, et puis après je rends la parole, mais une dernière chose, c'est plus au niveau pharma, on n'a pas trop parlé un petit peu, c'est sur le drug discovery, ou alors le repurposing, c'est-à-dire le fait de réutiliser des médicaments pour faire d'autres choses, ou alors le fait de découvrir des nouveaux médicaments. Là, l'IA, évidemment, a énormément de rôle à jouer. Il y a pas mal de start-up qui font ça, notamment pas mal de start-up françaises. Et par exemple, pour le vaccin Covid-19, Pfizer a expliqué qu'ils avaient déjà utilisé des outils d'IA pour identifier les bonnes séquences et ensuite les synthétiser. Donc on y est déjà, hein, pour le coup. Ouais. Merci infiniment. Merci d'avoir participé à cette table ronde. J'espère qu'elle vous a apporté nombre d'informations. Bon appétit à tous.